Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous faire un haul déco de Noël. Ça y est, Noël arrive à grands pas. Ça arrive vite. Donc, je vais vous faire un haul déco. Et d'ailleurs, dans le haul que vous allez voir, ce sera du coup le thème de ma décoration de cette année pour Noël. Donc, je voulais un truc, quelque chose de blanc, d'enneigé. Même s'il neige pas dehors, il fait très beau dehors, mais je voulais quelque chose de blanc, d'enneigé chez moi parce que j'ai déjà eu à faire plusieurs décorations. Donc cette année, je voulais faire le thème blanc enneigé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous allez voir avec les produits que je vais vous montrer un petit peu le thème de ma décoration. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater lorsque je poste des nouvelles vidéos. Donc voilà, c'est parti pour le haul. Alors, en premier article, je vais vous montrer cette petite couronne que j'ai achetée. Alors, le haul, il va tourner dans les magasins. J'ai acheté un petit peu de tout chez Jiffy et chez Action. Donc voilà. Donc, cette petite couronne-là, je l'ai achetée chez Jiffy. Elle est vraiment trop mignonne. Regardez. Elle est vraiment trop trop belle. Vous voyez le côté enneigé un petit peu. Donc j'ai beaucoup aimé. Après, j'aurais voulu qu'elle soit plus grande. Mais c'est pas grave. Je l'aime beaucoup. Elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. J'ai acheté à 17 euros. Elle a coûté 17 euros cette petite couronne. J'arrondis les prix. Hein. C'était 16 euros et quelques. Mais pour moi, c'est 17 euros. Donc voilà. Je l'aime beaucoup avec les petits détails là comme ça. J'aime beaucoup. Donc voilà pour le premier article. Dites-moi, vous avez déjà commencé à faire votre décoration? Est-ce que vous avez envie de fêter Noël? Est-ce que vous êtes dans le mood un petit peu ou pas? Ou vous êtes plus dans le côté, avec la crise actuelle, vous n'avez pas du tout envie de faire quoi que ce soit. Dites-moi en commentaire, dans quel mood vous êtes en ce moment? Est-ce que vous êtes dans le mood Noël ou pas? Alors, deuxième article, j'ai pris des petites fleurs comme ça pour accrocher sur le sapin. J'ai trouvé, elles sont trop jolies. Je vous montre bien en détail. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs que je mettrai sur le sapin. Elles sont trop belles. Donc pareil, j'ai acheté ça chez Jiffy. Je les trouve trop jolies. Elles sont trop belles. Vous savez, pour mettre un petit peu sur le sapin. C'est des fleurs artificielles, hein, bien sûr. Mais je les trouve trop belles. Et elles étaient à, je crois, 4 euros les deux. Donc 4 euros, une paire de deux, comme ça. Donc j'en ai pris plusieurs. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des petits trucs comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Ça fait un petit peu. En fait, ça me fait penser un petit peu à de la neige qui coule, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Mais j'ai pris pareil, j'en ai pris plusieurs. Et c'est des paquets de 6 et c'était à 1 euro et quelques. On va dire 2 euros. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs. Pareil, c'est pour le sapin. Donc voilà. Prochain article, j'ai pris des petites décos comme ça. C'est marqué dessus, Let it snow. Donc ça a rapport avec la neige. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup aussi pour mettre pareil sur le sapin. Donc, vous voyez vraiment la déco, le thème que je veux. C'est vraiment enneigé, blanc, un peu, on va dire, un peu d'argenté comme ça. Mais vite fait, mais vraiment surtout sur le blanc. Blanc enneigé avec un petit peu de paillettes. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé cette petite pépite. Ce plaid, il est vraiment trop trop beau. J'en cherchais un. Je vais vous montrer comment il est bien à l'intérieur. J'en cherchais un de blanc. Vous voyez les petits motifs. Les petits motifs de Noël. Pareil, je l'ai pris chez Jiffy. Il m'a coûté un peu cher. Il coûte 18 euros et quelques. Mais il est grand. Il a l'air super grand. Donc franchement, ça valait le coup, même si c'est un petit peu cher. Donc, c'est des petits cerfs dessus, des petites étoiles. Vraiment, ça fait Noël, quoi. Et j'aime beaucoup, c'est super doux. J'adore.
J'ai trop hâte de faire ma déco maintenant que j'ai mes articles. Bon, il y a quelques articles que j'ai commandés sur Internet qui vont arriver. Et j'ai trop hâte, une fois que j'aurai tout, de vous montrer le sapin. J'ai trop, trop hâte. Donc voilà, il est trop beau ce plaid. À chaque fois que je cherchais des plaids, je voyais que des rouges, des blancs, des verts, des rouges. Toujours avec des motifs rouges. Moi, je voulais pas des motifs rouges. Je voulais vraiment du blanc. Je vais également vous montrer, j'ai pris des guirlandes. Enfin, une guirlande. Elle est super grande avec 20 LED. Donc, pareil, c'est dans des tons blanc froid. Et pareil, je l'ai pris. Attendez, je l'ai pris où celle-là? Chez Jiffy aussi. Pareil, je l'ai pris chez Jiffy. Ça a l'air trop trop beau. Donc vous voyez un petit peu le motif. C'est un peu. Je crois que c'est des plumes. Des plumes dessus. Et je pense que ça, je le mettrai sur un meuble. De toute façon, je vous montrerai ma déco. Hein. Donc voilà. Et pareil, ça, je l'ai pris à 12 euros et quelques. Donc on va dire 13 euros, quoi. Donc voilà. J'aime beaucoup. Je pense que ça va bien donner dans ma décoration. J'imagine qu'elle doit être super grande. Donc c'est pour ça que je l'ai prise pour pouvoir poser sur un meuble. J'ai trop hâte. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris, pareil, chez Jiffy, ce petit. Je ne sais pas comment appeler ça. En fait, c'est des lettres. Ho, ho, ho. Et c'est posé sur un truc en carton, je crois. Ou en tout cas en bois, en dessous. C'est trop beau. Vraiment trop, trop joli. Je voulais en faire un, comme vous avez vu dans ma précédente vidéo de DIY de Noël. Je voulais en faire un comme ça, mais avec pas la même chose, d'une autre façon. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pris direct et j'ai dit, je le fais plus dans le DIY. Donc d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas été voir ma vidéo DIY de Noël, je vous invite à aller la regarder. C'est très intéressant pour ceux qui n'ont pas un gros budget. Vous pouvez vraiment faire votre décoration vous-même. Hein. C'est très simple et intuitif. Donc voilà, j'adore, j'aime beaucoup. Pareil, ça, je pense que je vais le poser sur un meuble. C'est vraiment, vraiment, vraiment super joli. Et vous voyez, c'est fait en carton. Il y a du carton et du polyester. Donc vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire. Hein. C'est vraiment pas avec de la colle, des paillettes. Je pense que c'est très facile à faire. Et d'ailleurs, ça m'a coûté une vingtaine d'euros, je crois. Je crois que c'était 18 euros, quelque chose. Donc, dans les 20 euros. Ça m'a coûté dans les 20 euros, à peu près. Donc, j'aime beaucoup. C'est trop joli. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de mes trouvailles. Est-ce que ça vous inspire ou pas du tout? Donc, voilà. Alors, prochain article. Je me suis pris des bougies comme ceci. J'en avais déjà acheté avant. Mes enfants, ils les ont cassées. Donc là, j'en ai repris. Donc, vous voyez, c'est des bougies comme ça à LED. Vous pouvez choisir la couleur de la flamme. Donc, ça aussi, j'aime beaucoup. Et voilà. J'aime beaucoup. Ça, par contre, je l'ai pris chez Action. Ça m'a coûté une dizaine d'euros aussi. Je ne me rappelle plus du prix, franchement. Désolée, mais je ne me rappelle plus du prix. Mais je l'ai pris chez Action et ça m'a coûté une dizaine d'euros. Et voilà. C'est trop joli, ça aussi. C'est utile. Quand on a des fêtes, en plus, là, on peut choisir la couleur de la lumière et tout. Franchement, c'est trop bien. Parce qu'en fonction du thème qu'on a, si on a envie de changer de lumière, on peut le faire. Donc, c'est trop, trop bien. Donc, voilà. Alors, on va passer au prochain article. Donc, j'ai pris un tapis comme ça. Pareil, je l'ai pris chez Jiffy. Franchement, chez Jiffy, en ce moment, ils ont plein de décorations. Il y a plusieurs thèmes. Vous avez le thème rouge, vous avez du vert, vous avez du blanc. En fait, vous avez plusieurs thèmes. Et en fonction des thèmes, bah, il y a plein de décorations. Et c'est vraiment super joli. D'ailleurs, j'ai vu un bonhomme de neige en blanc. Je voulais trop le prendre. Mais je pense que je vais le prendre. J'ai tellement réfléchi. Je me suis dit, je prends, je prends pas, je prends, je prends pas. Mais je pense que je vais finir par le prendre. Il est vraiment trop beau et je pense que ça rendrait super bien dans ma décoration. Donc voilà, enfin bref. Donc j'ai pris ce petit tapis là. Vous savez, c'est le tapis pour mettre en dessous du sapin, au pied du sapin, pour habiller bah, les pieds tout simplement. Donc j'ai pris ça pareil chez Jiffy. Je sais plus combien il m'a coûté. Je ne me rappelle plus.
Et il est vraiment trop beau. Il y a des petites paillettes. Vous voyez. Donc voilà. Et il a l'air super grand aussi. 1m20. 1m20 sur 80. Donc il est super grand. Donc c'est parfait. Donc voilà. J'ai vraiment trop hâte de faire ma déco. Alors, dernier article que je vais vous montrer, c'est ce petit cerf que j'ai pris également chez Jiffy. Il est vraiment trop beau. Regardez, posé. Je pense que je le poserai au pied du sapin ou je ne sais pas trop où est-ce que je vais le mettre. Mais il est vraiment trop beau. Il est pareil, c'est du fait main. Donc ça, tu trouves avec un petit cerf en polyester. Avec de la mousse comme ça, tu le fais toi-même. Mais bon, il faut trouver le cerf en polyester. C'est ça qui est le plus compliqué. Mais sinon, je le trouve trop beau. Et je l'ai eu à 10 euros et quelques. Donc, pas trop cher. Et il est vraiment trop, trop, trop joli. Tout blanc, tout doux. J'adore. Donc, vous voyez. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Alors les amis, j'ai fini de vous montrer tous les articles que j'avais achetés. Comme je vous ai dit, il y a des articles que j'ai commandés sur Internet, dont j'attends la livraison. Donc une fois que j'aurai tous mes articles, je vous ferai la vidéo de présentation de ma décoration. Je décorerai avec vous. Donc je vous ferai une belle déco. Et vous-même, vous savez comment j'aime bien faire la décoration. Donc voilà, je ferai une belle déco et je vous montrerai tout ça en détail dans une prochaine vidéo que j'espère sortira la semaine prochaine. J'espère que j'aurai tout à la fin de cette semaine et comme ça la semaine prochaine, je vous fais une belle déco de Noël en fait, tout simplement, de mon sapin et de la maison. Et comme je vous ai dit, je ne ferai pas une décoration chargée parce que je sais que sur Internet, il y en a plein qui font des décos, mais c'est super beau, hein, mais moi, je ne pourrais pas tenir pendant un mois comme ça. Donc, ce sera vraiment une déco simple. Mais jolie pour les fêtes. Et j'espère que du coup, ma décoration pourra vous inspirer. Et j'espère que ce haul aussi a pu vous inspirer. Donc voilà, je vous fais plein de petits bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker mes vidéos. Voilà, plein de bisous à vous et à bientôt.